tendre l'oreille et écouter le chant des oiseaux. Ce matin, les élèves de CP-CE1 de l'école de Rèche sont sortis de leur salle de classe pour participer à une animation à l'arboretum. Ils ont pris part à plusieurs ateliers animés par des membres de l'association L'Épivert. Ici, un groupe se rend à l'observatoire. Équipés de leurs jumelles, les élèves ont cherché les oiseaux qui vivent dans la forêt de Saralbe. L'arbre, il est un peu caché par une feuille, on voit toute sa queue. Là, hop, là, vous avez vu, c'est envolé. Moi, j'aime bien les oiseaux parce que on a beaucoup d'arbres chez nous, alors j'aime bien jouer dehors et on voit souvent des oiseaux. Moi, je trouve qu'elle est très bien. J'aime bien les oiseaux parce qu'ils ont des beaux plumages, ils ont des belles ailes, des belles pattes. Surtout, je crois que celui-là que je préfère, ça serait l'aigle. Ben, j'essaye de voir les oiseaux. Et après, il y en a qui sont beaux, alors j'aime bien regarder. Les élèves ont également travaillé la théorie en classe avec leur enseignante. Cette sortie nature permet de compléter leurs connaissances. En plus de cette activité axée sur les oiseaux, cette même classe partira à la découverte de la biodiversité de la commune. En fait, ça leur permet de découvrir le milieu proche, c'est-à-dire la forêt de Saralbe, dans laquelle finalement les enfants ne vont peut-être plus tant que ça avec leur famille, et de l'observer aussi accompagné de spécialistes comme les membres de l'association Pivert. C'est vrai, ils sont curieux, et puis c'est plus sympa que les maths et le français, ça c'est sûr. On retrouve ici un autre groupe avec Paul de l'association Les Pivert. Les élèves doivent associer les pattes et les becs aux bons oiseaux. Et du coup, vous connaissez l'espèce ? Non. On appelle ça un pinson, ok ? Un autre atelier est animé par Émile. Les enfants peuvent observer différents nids. Un nid, ça sert à ça, hein. Ça sert à élever des petits. Et donc, vaut mieux que ce soit bien doux. Les nids peuvent être en mousse, terre et paille, que la plus d'oiseaux, que là des oiseaux préhistoriques que je connaissais même pas. C'est la ville de Saralbe qui est à l'origine de ces activités. Elle a établi tout un programme axé sur la nature pour les écoles élémentaires. Les enseignants peuvent piocher dedans pour participer à différentes animations. Parmi elles, la découverte des oiseaux avec l'épivert. C'est absolument indispensable en fait qu'on ait conscience de la nature, de sa fragilité, de la diversité et qu'on apprenne en fait à l'apprécier, la connaître pour faire tomber peut-être des peurs liées à certains animaux, des insectes ou quoi que ce soit. D'autres activités sont encore prévues pour les élèves jusqu'à la fin de l'année scolaire. Une programmation pour le grand public est également en préparation. Et on écoute tout de suite Guy Rosler, adjoint au maire de Saralbe, chargé de l'environnement, au micro de Marie-Morgane Pires. Guy Rosler, bonjour. Oui, bonjour et bienvenue à Saralbe. Merci. Alors c'est depuis 2008 que la ville de Saralbe propose ce programme nature aux élèves. D'où est venu ce projet ? Expliquez-moi un petit peu. Oui, alors ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est mon prédécesseur qui a commencé en 2008, c'est monsieur Daniel Greff et je lui passe bien le bonjour. Bonjour Daniel. C'est donc Daniel Greff qui a commencé ce programme et maintenant nous le continuons et nous souhaitons également l'étoffer. Et donc on a vu ce matin l'animation dans la peau d'un oiseau avec l'association L'Épivert, mais ce n'est pas la seule association qui participe à ce projet, est-ce que vous pouvez m'en citer d'autres ? Oui, en fait il y a d'autres associations qui participent à ce projet, il y a la Grange au paysage de Lorezen qui participe, il y a également une nouveauté, on a une animation avec les abeilles pour faire connaître le monde des abeilles aux enfants. Il y a également Dominique Klein pour parler des cigognes, c'est ça ? Oui, tout à fait. N'oublions pas Dominique Klein. Hein. Donc, bien sûr, il y a Dominique Klein qui participe également parce que les cigognes font partie de la biodiversité de Saralbe. Donc, comment est basé ce programme ? Ce programme est basé sur la biodiversité qu'on retrouve à Saralbe, entre la Sarre, entre l'Albe et également en forêt. Donc, c'est un programme très large et je voudrais bien faire comprendre que c'est un programme d'équipe. Donc, ça a été monté en équipe. On a monté deux programmes, un premier programme qui a été fait pour les animations scolaires et un deuxième programme qui a été fait pour les animations publiques. Ce programme a été monté fin 2020. Aujourd'hui, on a pu mettre en place le programme des animations scolaires. Malheureusement, le programme des animations publiques n'a pas pu être mis en place, on le sait, à cause de la crise sanitaire. Et qu'est-ce qui sera prévu pour le grand public, justement ? Donc pour le grand public, on a aussi des visites en forêt, visite de la prairie orchidée. On a également une nouveauté qui s'appelle Saralbe sous les étoiles.
Ok, donc plein de choses au programme, donc n'hésitez pas à vous tenir informés pour connaître toutes les dates de ces animations.